C'est le temps où chacun doit entrer dans l'arche. C'est le moment où tu dois donner ta vie totalement au Seigneur Yeshua. Et ne plus être idolâtre. Ne plus être là attaché au bâtiment d'église, au pasteur. Sortez de là. Sortons de là. Frères, sœurs, même moi-même qui vous parle, je vous le dis toujours. Je cours après le Seigneur. Je cours après mon salut. J'en ai besoin. Donc si je cours après Dieu, vous ne courez pas après moi. Non. Allez vers le Seigneur. Criez vers Yeshua. Je n'ai aucune église à vous présenter. Aucune assemblée. Ce n'est que Yeshua, notre maître. Priez Dieu. Méditez la parole chez vous. Priez avec ceux et celles qui craignent Dieu. Ne laissez plus aucun pasteur vous mettre sous son joug pour vous manipuler, vous contrôler. Vous avez été libéré à la croix. Et suivez Yeshua, le bon berger. Ah, Adonai, Adonai, merveilleux. Adonai. Ceux et celles qui veulent se convertir, non à une religion, qui veulent se donner à Dieu pour devenir la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, ceux et celles qui réalisent que ils ont besoin de suivre Jésus-Christ, de se donner à Jésus réellement. Venez. Oh, Adonai, tu es vraiment merveilleux. Adonai. On peut aller, Julie? On acclame le Seigneur pour leur vie. Adonai. Oh Seigneur, regardez toutes ces âmes que Dieu sauve. Pour nos frères et sœurs. Père, merci pour toutes ces vies que tu sauves. Ô Dieu d'Israël, que ces personnes soient sauvées, délivrées. Dieu, écrit vos noms dans le livre de vie ce soir. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous purifie de vos péchés. Vous sanctifie, vous nettoie aujourd'hui. Et les chaînes de la mort sont brisées. Les chaînes de la sorcellerie sont brisées dans vos vies. Oh, l'amour du Père vous touche. L'amour de Dieu vous guérit. Il y en a qui sont guéris aujourd'hui par l'amour de Dieu. Oh, l'amour du Père vous inonde. Oh, alléluia. Magnifique est ton nom, Seigneur. Magnifique est ton nom, Seigneur. L'amour que tu n'as pas encore reçu, eh bien le Seigneur te le donne.
Le Seigneur te remplit de son amour. De son amour. Toi qui te sens seul, rejeté. Toi qui n'as pas reçu encore cet amour véritable. Voici l'amour du Père. L'amour de Dieu. Qui te guérit, qui te guérit, qui te guérit au nom de Yeshua. Oh Père mon Dieu. Oh Père. Oh Père. Priez vous qui êtes là devant, priez le Seigneur. Priez Dieu dans vos cœurs, priez Dieu pour vos vies. Engagez-vous devant Dieu à le suivre, à le servir, à lui obéir. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, renonce à la pornographie, renonce au sexe, renonce mon ami à ce péché qui t'éloigne de Dieu. Ta vie sera une louange. Dieu de gloire, voici la délivrance, femme. Lâche-la au nom de Jésus de Nazareth, sois libre, guérie. Dieu voit tes larmes, ta souffrance. Beaucoup d'âmes que Dieu veut gagner par ta vie. Tu es comme la femme samaritaine, que Dieu le Seigneur. Que le Seigneur vous remplisse de ses dons, des dons de l'esprit, des dons de parler en langue. Et une sœur samedi dernier à qui Dieu a donné le parler en langue, elle est revenue la semaine avec son mari parce qu'elle ne cesse de parler en langue à la maison. Elle était étonnée, inquiète, et c'était normal. Le Seigneur l'a visité toute la semaine et son mari se fait baptiser la semaine. Oh, Dieu va vous donner ses dons. Dons de parler en langue, de prophétie, de vision. Oh, alléluia, de discernement des esprits. Au nom de Yeshua, il ouvre vos yeux, il ouvre vos oreilles. Recevez ses dons. Au nom de Yeshua, vos langues se délient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous recevez le baptême de feu. Ah oui. Waouh. Voici le don de l'esprit. Au nom de Yeshua. Voici la grâce de Dieu. Oh Père, merci. Voici les dons de l'esprit de Dieu. Recevez ces dons de l'esprit. Au nom de Yeshua. Recevez ces dons de l'esprit. Oh Père, merci. Oh, il y a quelque chose sur toi. Magnifique le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu vous remplit de son feu. Jesus. Vous regardez vos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia.
Waouh. C'est magnifique. Magnifique. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle